bonsoir à tous. La 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 sainte journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Fastoche. Je m'appelle Brigitte, mais c'est de la folie. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr. Moi, je dis stop. Bonjour Brigitte. Bonsoir Laurent. Vous allez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, c'est sympa. Donc je me présente, je m'appelle Brigitte, j'ai eu 25 ans un mardi. Et en fait, moi je suis, c'est vrai, spécialiste en dessous des hommes. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité et qu'on aimerait tout de suite savoir ce que vous pensez de cette nouvelle tendance. La tournée. Cette nouvelle tendance, ouais, que j'en... bof, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Ah non, vraiment, je trouve ça très bien que les hommes s'intéressent à la lingerie fine ou épaisse, peu importe d'ailleurs. Parce que je pense que, je veux dire, que les hommes prennent soin d'eux comme des femmes, c'est normal, parce que les hommes et les femmes sont égales quand, oui, on réfléchit. On a tous une part de féminité en nous. Moi, je vois, j'ai pas peur de l'assumer au grand jour, ma part de féminité. Même la nuit, d'ailleurs. Bien sûr. Et les sous-coquins pour hommes comme cela, vous êtes plutôt pour, alors? Bof. Complètement. Ah non, mais je suis, mais... Ah, mais je suis totalement pour, à 60% pour, à fond, ouais, ouais, ouais. Après, je m'en rappelle plus. Il était temps que les hommes s'y mettent. Ouais. Il était temps que les hommes s'y mettent. Pourquoi? Parce que, non, mais je veux dire, c'est vrai, les slips en gourou, les Marseilles, les maillots de porc, c'est bon, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est la vieille école, ça, c'est old school. Je, oui, veux dire, on s'en fout de tout ça. Tandis que maintenant, c'est plus moderne, et j'imagine, ouais, que vous apportez beaucoup d'importance à la lingerie. Ah oui, énormément. Bof, énormément. J'avais oublié. Énormément, mais plus aux sous-vêtements encore. Ah. Pourquoi? Parce que les sous-vêtements, comme son nom l'indique, ça se porte sous les vêtements. Bien sûr. Ouais, c'est à... ouais, ça veut dire en fait que c'est comme une troisième peau. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pour d'abord se plaire à moi-même. Oui. Je dirais un petit peu que le slip, c'est le reflet de l'âme. Évidemment. Si vous voulez. Et d'ailleurs, ne dit-on pas, dis-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu mets. Monsieur Atuel, qui a une agence de conseil, ouais, stratégie et marketing, mmh, nous a dit aux uns et aux autres, il a dit que Pierre, que Stevie, que Jean et moi-même étions métrosexuels. Ouais. Alors, est-ce que ça vous plaît, les métrosexuels? Bof, énormément. Ah non, j'adore les métrosexuels. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé en fait dans un institut de beauté, où je, pour hommes, hein, bien sûr, où je pratiquais donc le massage à même le corps, mais également l'épilation dorsale, oui, donc pour le torse, et l'épilation faciale pour les fesses. Et je peux vous dire qu'un homme imberbe, c'est magnifique. Oui. Ah, c'est super. Par contre, faut pas en abuser, hein. Non. Car, comme dit le dicton, un berbe, ça va, trois berbes, bonjour les dégâts. Oh mon Dieu. Bon, pour vous remercier quand même d'être venu sur ce plateau pour témoigner sur, ouais, ce sujet important des dessous masculins, il est peut-être temps tout de même que je vous accorde le droit de parler de votre ligne de, ouais, lingerie masculine que vous avez créée. Tout à fait, donc je l'ai créée récemment. Je viens de trouver le nom, ah, en fait, que je vais donner à ma marque. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un orage de cerveau, comme ça, un brunch storming, comme vous dites, je me suis convoquée moi-même et toutes mes forces telluriques. Je veux dire qu'on n'était pas nombreuses. Et là, j'ai trouvé Bing, comme un éclair, vous voyez. Bing, et... c'est le nom des... Non, non. Ah oui, d'accord. Non, non, non. La ligne s'appellera Dente-lui. Dente-lui. Pourquoi? Oui. Parce que dentelle pour elle, Dente-lui pour lui. Ah, ah. Vous comprenez? Ça, vous n'auriez pas trouvé ça. Vous comprenez, ça, hein. Bah, Sophie, vous comprenez. Voilà. Et en fait, donc là, je suis en train de dessiner les modèles. Donc moi, ce que j'aime surtout, c'est les matières moulantes très larges, très transparentes, vous voyez, limite opaques, oui, oui, et les imprimés unis. Je trouve ça magnifique. Évidemment. Ouais, ouais. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'au final, on en parlait, les hommes deviennent des hommes objets? Ah, ah mais non, mais c'est impossible, Laurent. Ah oui. Ah, mais un homme ne sera jamais un objet vu qu'il est composé de matière vivante. Comme nous et moi, enfin, je veux dire, mais c'est pas possible, non? À moins qu'on l'empaille, là, ça sera un objet, mais je veux dire...
Non, mais vous êtes fous, là. Je pense que vous regardez trop de films de science-friction. Ça va pas très bien. Pardon. Ma dernière question, ce sera de savoir si vous avez déjà pensé, peut-être, autrement, je vous donnerai le numéro de téléphone de Romain Hatchuel. Est-ce que vous avez déjà pensé à une campagne publicitaire pour vos dessous d'Antlui? Non, en revanche, une campagne d'affichage énorme. Ah oui. Ouais, il y aura des affiches dans tout Paris extramuros, comme ça, très jolie. Une photo mettant en scène Monsieur Benguigui et Stevie, comme ça, en train de s'enfuir au loin. Pour qu'on voit leurs fesses qui s'enfuient. Ah oui. Et d'ailleurs, je m'enfuis également. N'en profitez pas pour regarder mes fesses. We'll be right back.